Salut, dans la vidéo d'aujourd'hui, je te propose d'apprendre une étude sur un slow blues en questions-réponses. Donc on va faire des questions-réponses entre la BB Box et un jeu en accord. Donc pour les accords, en fait, on va utiliser qu'une seule position qu'on va déplacer sur le manche. Si tu veux avoir le détail de comment je fais ça pour que ça sonne bien, je te renvoie à la vidéo précédente. Je te mettrai un lien en description. Donc dans cette vidéo, je t'apprends à faire une improvisation en accord en utilisant une seule position ou presque. Donc si ça t'intéresse, je te laisse aller voir ça. Et donc dans cette vidéo, on va utiliser cette technique et on va alterner entre un jeu en accord et la BB Box. Donc tu peux apprendre cette étude de A à Z ou alors tu peux juste piocher quelques phrases qui te plaisent ici ou là. Alors avant de commencer, je te rappelle rapidement que cette semaine, j'ai sorti ma nouvelle formation sur la théorie pour les débutants. Donc si tu es débutant et que tu aimerais apprendre la théorie, je te laisse aller voir ça. Donc tu peux cliquer sur le premier lien en description pour aller voir la page de présentation de cette formation. Tu as 30 € de réduction jusqu'à demain soir. Et donc je te laisse aller voir ça si ça t'intéresse. Et c'est parti pour l'étude d'aujourd'hui. Donc encore une fois, t'es pas obligé d'apprendre ce solo de A à Z, toute la grille de A à Z, mais si ça t'intéresse, tu peux aussi piocher des phrases ici ou là. Surtout les phrases en BB Box, elles sont vraiment simples. Et pour les phrases en accord, encore une fois, on va juste utiliser cette position qui ressemble à la position de Ré mineur, sauf qu'on joue uniquement les trois cordes aiguës. Donc à chaque fois que tu as un accord, c'est cette position. Par exemple, la toute première phrase, elle fait comme ça. Et donc, on va vraiment déplacer uniquement cette position. Et si tu veux, à chaque fois que tu as une phrase en accord dans cette étude, tu peux commencer par apprendre uniquement la corde aiguë. Et voilà, ça te permet déjà de le jouer rythmiquement. Et après, tu n'as plus qu'à rajouter la position. Donc ça, c'est la toute première phrase. Elle commence en anacrouse. Donc ça veut dire qu'on va commencer avant la grille, avant notre première mesure de la grille. Donc on va commencer sur le et du 4. Ça va nous faire 1, 2, 3, 4. En réponse à ça, sur la deuxième mesure, on va avoir une phrase en BB Box. Donc ici, sur cette deuxième mesure, on est sur un Ré 7. Donc les notes qu'on va jouer, en fait, on va tourner autour de la tierce majeure, de la quinte, de la 13e, et on va faire un léger bend d'un demi-ton. Donc en fait, on va chercher la 7e mineure. Et sur la dernière note, en fait, c'est un La. Donc c'est une anticipation de notre 3e mesure. Donc en fait, c'est la fondamentale de notre La 7. Ensuite, entre la 3e et la 4e mesure, on a cette petite phrase en accord. Donc ici, encore une fois, si je joue juste l'index, ça va nous faire. Voilà, donc ici, on a une appoggiature de la 4e case vers la 5e case. Donc ça, c'est le et du 4 de notre 3e mesure. Et on tombe sur le temps de la 4e mesure, sur le premier temps, en jouant la 3e case ici. Donc 1, 2, 3, 4, 1. Ensuite, on a encore une petite phrase en BB Box entre la 4e et la 5e mesure. Et ensuite, entre la 6e et la 7e mesure, on a une phrase en accord un peu plus longue qui va nous faire.
Donc ici, je te conseille de vraiment repérer la gamme blues. Donc en fait, on va vraiment tourner autour de ces notes-là. Donc dixième case, onzième case, c'est la quarte et la blue note. Ensuite, huitième case, la tierce mineure. Et à partir de là, on va faire. Donc à chaque fois, on va faire dixième case, huitième case et cinquième case. Et à chaque fois, on va répéter deux fois. À chaque fois, on va faire un slide pour arriver sur la case et on va la répéter, la note. Et à partir d'ici, on va faire 4, 3. Donc ça va nous faire. Et ensuite, on a une phrase en BB-box qui va nous amener vers notre cinquième degré. Donc on est sur la huitième mesure et on va arriver... on va terminer sur le premier temps de la neuvième mesure qui va être notre mi 7. Donc ici on va jouer. On va jouer donc la 13e, la fondamentale. Ici, la tierce mineure, la quarte, la quinte. Et ici, on va faire un petit bend, donc de la neuvième vers la tierce mineure, qu'on va relâcher. On va jouer la fondamentale. Et on termine donc sur la 12e case, ici en corde de si. Et donc, c'est la quinte de notre accord du 5e degré. Ensuite, de la 9e à la 10e mesure, ici on est donc sur notre 5e degré et on va arriver sur le 4e degré. Donc ici, tout simplement, on joue 12, 11, 10. Et en fait, on vise le 4e degré, donc le premier temps de notre 10e mesure. Ensuite, encore une petite phrase en BB-box. Donc ici, vu qu'on est sur le 4e degré, encore une fois, ça nous fait la tierce majeure. Hammer-on de la quinte vers la 13e. On rejoue la tierce majeure. Et ici, on est sur le premier degré, donc ça nous fait la fondamentale et la tierce mineure avec un léger bend, donc pour aller chercher plutôt la tierce majeure. Et on va terminer comme ça. Donc cette fois, on vise notre cinquième degré. Donc on veut tomber sur le premier temps de notre dernière mesure. On veut tomber sur la 12e case pour bien faire entendre cet accord du 5e degré. Donc on commence sur le et du 4 de notre 11e mesure et ça nous fait 1, 2, 3, 4... Alors voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je te rappelle que tu as une promotion de 30€ sur ma nouvelle formation sur la théorie pour les débutants. Donc si ça t'intéresse, je te laisse cliquer sur le premier lien en description pour aller voir la page de présentation. Et moi, je te dis à la prochaine. Salut!